Bonjour à tous, je suis Stéphane Martinez et je vais être votre professeur de français DigiSchool pour ce soir et pour réviser surtout l'épreuve que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience, celle de français qui arrive donc lundi. Alors ce que je vous propose avant qu'on commence à traiter certaines questions, c'est de faire un point rapide sur les méthodologies de chacun des exercices qui vous sont demandés le jour du bac. Donc, vous vous souvenez que vous trouverez sur votre copie un corpus composé de 3 ou 4 textes et d'un document iconographique, que ce corpus sera accompagné d'une question de corpus et de 3 sujets au choix. Alors le sujet de commentaire, le sujet de dissertation et le sujet, l'écriture d'invention. Alors rapidement sur la question de corpus, vous prenez chacun des textes qui sont à l'étude et vous les présentez rapidement dans une introduction. Alors les présenter rapidement, c'est-à-dire ce n'est pas dans l'introduction que vous allez commencer à les expliquer, à les analyser. Par contre, vous devez bien rappeler leur auteur, la date de publication, le titre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous rappelez la question de corpus dans l'introduction en disant, ben voilà, nous allons nous intéresser à ce moment-là de notre travail à tel ou tel point particulier, celui sur lequel on aura attiré votre attention dans l'énoncé de la question. Vous traitez votre question de corpus en principe deux parties qui vont vous permettre de distinguer par exemple des ressemblances, des points communs ou des différences entre les textes, différences de genre, de registre, ou des thématiques, ou la manière dont tel ou tel sujet va être traité par un auteur. Voilà, donc là vous rentrez dans une analyse, mais une analyse rapide des textes. Vous concluez de manière extrêmement classique, c'est-à-dire que vous rappelez la question et vous donnez une réponse claire à cette question. Moi, j'insiste vraiment sur une chose, ne passez pas plus de 40 minutes sur la question de corpus pour une raison très tactique, c'est que la question de corpus vaut 4 points, le sujet vaut 16 points. Donc, ce n'est pas la peine de passer la moitié du temps de l'épreuve sur cette question-là. Alors ensuite, les 3 sujets d'écriture qui sont eux sur 16. Vous avez d'abord un commentaire. Alors moi, c'est le sujet que je recommande de traiter pour une raison très simple, c'est que à la différence de la dissertation qui demande énormément de culture littéraire et une réflexion personnelle sur un sujet précis, le commentaire, chacun peut le traiter à partir du moment où vous respectez une méthodologie que vous avez normalement acquise au cours de l'année. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de commencer par un travail préparatoire au brouillon d'une heure environ, pendant laquelle vous allez faire un tableau avec à gauche observation, à droite analyse. Alors observation, bah, par exemple, je relève le champ lexical de la violence, je relève la présence du sang, la thématique des armes. Donc je peux en conclure que, en observation, ça c'est l'observation, et en analyse, je peux donc en conclure que nous sommes dans un texte au registre épique, par exemple. Voilà. Une fois que vous avez fait ce tableau, ça va vous permettre de distinguer les grandes parties de votre commentaire et donc de pouvoir commencer une problématique. Je précise que l'introduction, vous la rédigez à la fin de votre travail de brouillon. Vous ne pouvez pas connaître votre introduction tant que vous n'avez pas déterminé votre problématique et les parties de votre devoir. Voilà. Pour rappel, l'introduction présentera une phrase d'accroche, c'est-à-dire quelque chose qui donne envie à votre lecteur de vous lire, une contextualisation autour de l'œuvre, on part toujours en entonnoir, c'est-à-dire on part du plus général pour arriver au particulier. Ensuite, on annonce notre problématique et enfin on annonce notre plan. On fait notre commentaire en 2 grandes parties minimum, 4 grandes parties maximum. L'idéal, c'est 3 parties, mais on ne peut pas toujours les faire. Et mieux vaut ne faire que 2 parties de qualité plutôt que 3 parties, dont une dernière partie qui s'essouffle, parce que ça se sent lorsqu'on le corrige et du coup, ce n'est pas quelque chose qui valorise une copie. Et puis une conclusion dans laquelle vous rappelez le déroulement de votre travail et vous répondez à la question. Voilà. Pour la dissertation, la méthode, c'est très simple. On commence par déterminer quels sont les mots-clés du sujet et on se donne une définition de ces mots-clés. Ensuite, on commence à problématiser. Alors, problématiser, ça veut dire relever les enjeux de la question. Pourquoi cette question nous est posée? Voilà, il y a bien une raison. Vous déterminez à ce moment-là 2
trois ou quatre grandes parties dans votre dissertation et vous pouvez commencer votre travail de rédaction. Là, c'est pareil, passez bien une heure au moment de votre bac écrit, au moment de votre travail préparatoire, votre brouillon. Dans la conclusion, bien, vous rappelez votre problématique, vous rappelez le déroulement de vos trois parties et vous répondez enfin à la question. Si vous le pouvez, vous proposez une ouverture, mais je pense que ça n'est pas systématiquement nécessaire. Enfin, le sujet d'invention. Alors, je ne vais pas rentrer dans la méthode puisqu'il n'y a pas une méthode précise. Il y a tout un tas de sujets d'invention qui peuvent vous être demandés. Ce que je vous recommande, c'est de travailler particulièrement sur les genres et les registres en amont dans vos révisions, parce qu'on peut, entre autres choses, vous faire travailler, par exemple, faire transformer tel ou tel genre en tel ou tel autre genre. Exemple, un extrait de roman que vous allez transformer en un extrait de théâtre. Voilà pour les méthodologies que je vois très rapidement, bien sûr. Et puis ben, maintenant, si on a des questions, on peut y aller. Plein, et on en a beaucoup en méthodo. Allez. Alors, on commence par... Certains de Nolan qui dit « Bonjour Monsieur Martinez, que de souvenirs avec vous à Sainte-Marie, qui était en 6e avec toi apparemment et maintenant elle est en terminale, enfin en première. » Bonjour. Voilà. Alors, comment se distinguer lorsque l'on choisit le commentaire? Donc, comment gagner des points faciles, j'imagine aussi la question. Qu'est-ce qui fait qu'un correcteur va être plus sensible à sa copie quand on choisit le commentaire de texte? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un correcteur va être plus sensible à votre copie lorsque vous choisissez un commentaire de texte? Pour commencer, encore une fois, le commentaire de texte, il ne nécessite pas d'avoir une grande culture littéraire. Si vous avez une méthode et que vous maîtrisez cette méthode, vous pouvez faire le commentaire. Alors, un exemple, vous avez un commentaire d'Émile Zola, voilà, vous savez que ce sera probablement un extrait réaliste, vous connaissez le réalisme, donc il va falloir chercher... le registre réaliste, il va falloir chercher tout ce qui participe des descriptions de ce type-là. Donc, s'intéresser par exemple aux champs lexicaux, au lexique, s'intéresser aux figures de style. Et une fois que vous avez relevé tout ça, dans les deux ou trois grandes parties qui composent votre commentaire, il faut nourrir votre réflexion. C'est-à-dire, et c'est là j'en viens à répondre à ta question, c'est une sous-partie doit comporter une idée sur le texte, c'est-à-dire ce que vous avez relevé. Voilà, nous pouvons considérer que ce texte est écrit, est un écrit réaliste, l'idée, une citation et une explication. Voilà. Chaque sous-partie doit suivre ce déroulement. Une idée, une citation. Sans citation, votre copie ne vaut rien. Et une explication. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, ce qui va valoriser un commentaire, c'est justement le fait que, d'une part, vous alliez chercher des éléments précis dans le texte, que vous citiez le texte donc, et d'autre part, que vous analysiez ce texte. Et une chose qui peut être éliminatoire pour vous, c'est de relever des figures de style sans les analyser. Pensez toujours à ça. Est-ce que tu veux... Pardon, ils ne m'entendent pas du coup, je n'ai pas de micro. Est-ce que tu veux bien répéter mes questions si... D'accord. On nous demande, en parlant du commentaire, on nous demande est-ce que c'est bien de faire une analyse linéaire dans le commentaire de texte? Mon Dieu, alors on nous demande s'il faut faire une analyse linéaire en commentaire de texte. Non, non et non. Alors ça, c'est très mauvais, sauf dans un cas précis où on peut éventuellement l'accepter, c'est dans le domaine, dans le genre poétique. Mais la plupart des correcteurs sont très mal disposés quand ils doivent corriger un commentaire linéaire. Donc préférez un commentaire analytique, c'est-à-dire vous trouvez une, deux, trois grandes thématiques sur le texte et vous nourrissez ces thématiques de vos remarques. En conclusion sur cette question, pourquoi ne faut-il pas faire de commentaire linéaire mais préférer un commentaire analytique? Tout simplement parce que dans le commentaire linéaire, on a très vite tendance à tomber dans le catalogue et à ne pas s'organiser autour de deux grandes thématiques. L'introduction du corpus est-elle obligatoire? L'introduction du corpus est absolument obligatoire. On me demande s'il faut effectivement faire cette introduction, bien sûr. L'introduction, elle vous permet de présenter les textes qui sont à l'étude et de montrer que vous avez repéré les grandes lignes. Alors, repérer les grandes lignes, les genres, les auteurs, les époques, les courants littéraires dans lesquels ils peuvent s'inscrire. Voilà, si vous avez par exemple Les Châtiments de Victor Hugo et que vous oubliez de signaler que nous sommes dans le courant du romantisme, c'est pas un bon point pour vous. Voilà, donc l'introduction dans la question de corpus est absolument nécessaire, obligatoire. Toujours sur l'introduction et aussi la conclusion, quels éléments indispensables doivent apparaître dans une intro, une bonne intro et une bonne conclusion? De commentaires.
Alors, les éléments absolument fondamentaux qui doivent apparaître dans une introduction et dans une conclusion de commentaire littéraire. Dans une introduction de commentaire, il doit y avoir une phrase d'accroche. Alors, je vous en prie, c'est un correcteur qui vous parle, en plus d'être prof de français, évitez les « depuis que le monde est monde »,« depuis que l'homme est homme », c'est-à-dire ces espèces d'entrées en matière qui sont bateaux et insupportables. Essayez de faire une entrée en matière qui soit un petit peu plus littéraire. Alors là, c'est peut-être le moment dans le commentaire où on attend de vous que vous mettiez en relief votre fibre littéraire. Donc, une phrase d'accroche. Ensuite, on commence à réduire à se rapprocher de notre sujet en présentant l'extrait que nous avons à étudier et à commenter. Donc, nous sommes par exemple dans un extrait des Châtiments de Victor Hugo qui ont été écrits en et qui appartiennent à tel courant littéraire, en l'occurrence le romantisme. Une fois que vous avez fait cette présentation, cette contextualisation, vous entrez dans le vif du sujet. Vous voyez qu'on réduit et on arrive à la problématique. La problématique, c'est la question qui va guider votre étude. En fait, pourquoi est-ce que ce texte est intéressant? Voilà ce que c'est qu'une problématique. Ce texte, il est intéressant car, et là, vous allez dérouler vos parties. C'est l'annonce du plan. Je récapitule, la phrase d'accroche, la contextualisation, la problématique, l'annonce du plan, dans cet ordre. Et je termine en précisant qu'une introduction est toujours un paragraphe groupé que l'on ne va jamais à la ligne dans une introduction, que ce soit dans le commentaire littéraire ou dans la dissertation, et on est en littérature là, hein. C'est en sciences éco, par exemple, que vous allez à la ligne dans les intros, pas en français. Pour la conclusion, c'est finalement le moment le plus facile du devoir du commentaire, puisque il suffit de rappeler votre problématique. Nous nous demandions en quoi ce texte était intéressant sur le plan du registre ou du genre. Nous avons d'abord vu grand 1, nous avons vu ensuite grand 2, nous avons vu pour finir grand 3, et vous donner une réponse à votre question. Idéalement, la conclusion du commentaire se termine sur une ouverture. Alors, une ouverture, c'est, attention, ne pas confondre l'ouverture et la fermeture de votre sujet. Beaucoup d'élèves ont tendance à dire, voilà, bah, nous avons dit ceci, mais on peut se demander si c'est vrai, parce que tel auteur a dit que. Non. Une ouverture, ça va être par exemple, vous venez de traiter un texte qui portait sur le réalisme et vous allez ouvrir sur la question du naturalisme, c'est-à-dire que l'ouverture doit avoir quelque chose de logique. Gardez à l'esprit que si vous n'avez pas de bonne ouverture, mieux vaut qu'elle soit absente plutôt que de mettre quelque chose d'artificiel. Vous sentirez bien que ça n'est pas bon, vous ne le mettrez pas. Combien de parties pour une dissertation? Alors, on nous demande en gros, pour la disserte, est-ce qu'il vaut mieux faire une troisième partie moyenne ou pas en faire du tout, globalement? Alors, on nous demande combien de parties il faut pour une dissertation et s'il vaut mieux faire une troisième partie moyenne ou pas de troisième partie du tout. C'est très simple. Nous préférons corriger moins, mais bon, plutôt que plus, mais médiocre. Donc, pour répondre très clairement, mieux vaut deux parties de dissertation littéraire plutôt que trois parties, dont une qui est bancale, parce que ça va se voir, ça va se lire, ça va s'entendre, et ça va nuire à votre devoir. J'ajoute une chose, la dissertation en trois parties canoniques, c'est la dissertation philosophique. Nous sommes dans une dissertation littéraire. Il n'est pas forcé d'inverser le sujet dans une antithèse, comme on vous le demande en philosophie. D'accord? Donc ça, c'est une autre matière, le thèse, antithèse, synthèse, il n'est pas obligatoire dans une dissertation littéraire. Trois parties, c'est vrai que c'est parfait, c'est le raisonnement idéal, mais quand la troisième partie est faible, ne la mettez pas. Plusieurs qui nous demandent comment faire pour éviter la paraphrase dans une copie. Un petit conseil. Comment faire pour éviter la paraphrase dans une copie? Demandez-vous, alors là, ce sont les économistes qui vont comprendre le mieux, il y a le texte, c'est le produit. Et il y a ce que vous en dites, c'est la valeur ajoutée. Demandez-vous si ce que vous avez dit du texte a ajouté de la valeur, de l'intérêt, de la compréhension, du sens au texte. Relisez ce que vous avez dit, mais relisez sans être dans la sympathie avec votre écrit. C'est-à-dire, soyez très critique sur vous-même et demandez-vous toujours si vous n'êtes pas en train de redire, moins bien souvent, ce qu'a dit l'auteur. Donc, est-ce que
ce que j'ai dit a apporté quelque chose au texte ou non. Si ça n'a rien apporté, ça veut dire que vous êtes en train de faire de la paraphrase et qu'il faut absolument régler ce problème. Alors comment ? Ben, moi, je commence par quelque chose de très simple avec mes élèves, c'est je prends un élément du texte et je l'analyse, je le presse jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus rien à dire, afin de voir se dégager des éléments qu'on ne voit pas tout de suite. À la première lecture, on ne peut pas tout voir, surtout quand on est élève. Même un prof de français ne voit pas tout à la première lecture. Donc, passer par cette analyse stylistique, passer par l'analyse du genre, du registre, passer par l'analyse des temps. Voilà. Et ça, ça va vous donner des pistes pour ne pas faire de paraphrase. Si dans un sujet, on ne comprend pas un mot essentiel, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas le droit au dictionnaire pendant les épreuves de français ? Pendant les épreuves de français, le dictionnaire est absolument interdit. Donc, si un mot vous est entièrement inconnu le jour du bac, ne prenez pas le sujet, parce que ça, c'est le risque d'un hors-sujet. Cependant, avant de changer immédiatement, essayez, pour commencer, de faire ce que l'on fait faire, vous avez appris ça en sixième, la formation d'un mot. Quelquefois, diviser, retrouver un radical, isoler un préfixe, un suffixe, va vous permettre de vous dire, ah bah tiens, ça, c'est une racine que je peux reconnaître. Pour les latinistes, ben, essayez de repartir de ce côté-là. Si vraiment le sens du mot, vous ne le retrouvez pas par la formation, si vous ne le retrouvez pas par le contexte, vous ne prenez pas le sujet. Parce que si vous faites un contresens sur le mot, sur un mot du sujet, vous pouvez bâtir votre copie entière sur ce contresens. Et là, c'est l'échec assuré. C'est aussi pour cela qu'on a trois sujets. C'est parce qu'il faut bien qu'on ait une porte de sortie en cas de catastrophe. Une question qui revient très souvent, qui a un petit peu répondu, mais comment est-ce qu'on fait une bonne problématique ? Alors, comment est-ce qu'on fait une bonne problématique en commentaire littéraire et en dissertation ? Alors, la bonne problématique en commentaire littéraire, c'est une problématique qui tient compte du texte que l'on est en train d'étudier et d'un deuxième paramètre, c'est dans quel objet d'étude est-ce que ce texte va aller s'insérer ? Vous avez, pour la plupart d'entre vous, je ne compte pas, les L en ont deux de plus, les autres ont quatre objets d'étude, le théâtre, la poésie, le roman et les genres argumentatifs. Ces quatre objets d'étude, vous allez forcément pouvoir raccrocher votre texte à commenter à l'un de ces objets. Pensez aux problématiques que vous avez étudiées, pensez aux réflexions que vous avez menées en classe, ça va déjà vous orienter dans telle ou telle direction. La fuite du temps dans la poésie, ça, c'est une thématique extrêmement générale qui va vous permettre d'arriver sur des problématiques alors plus précises et que vous adaptez évidemment à une poésie. Mais vous voyez bien que, grosso modo, on va toujours tourner autour de problèmes communs, récurrents. Voilà. Deuxième chose, on ne se lance pas dans la problématique tant qu'on n'a pas travaillé sur le texte pendant une heure. Je vois souvent des élèves, et ça m'inquiète pour eux, qui commencent à écrire, à gratter tout de suite au début de l'épreuve. Non, vous commencez par torturer votre texte. Au Moyen-Âge, quand on torturait quelqu'un, on disait on le met à la question. Et à la fin, la personne qu'on avait mise à la question, elle était dans un état lamentable. Votre texte doit être dans un état lamentable. Vous devez souligner, surligner, raturer, biffer, entourer, faire des renvois. En bref, vous devez torturer ce texte. Et ça, ça va vous permettre d'arriver à une problématique de qualité. Pour la dissertation, comment est-ce qu'on fait une problématique ? Alors, de toute façon, la problématique de la dissertation littéraire, elle vous est donnée dans le sujet la plupart du temps, sauf que vous allez augmenter cette question de votre analyse personnelle. Lorsqu'un sujet de bac se formule comme suit, alors c'est un sujet qui est tombé récemment, le personnage théâtral est-il toujours un être hors norme ? Le pivot de ce sujet, c'est toujours. Ben non, ce n'est pas toujours un être hors norme. Donc, pourquoi est-ce que... Et c'est là que vous problématisez, c'est ça le travail de problématisation. Mais pourquoi le personnage de théâtre devrait-il être un personnage hors norme ? Et s'il ne l'est pas systématiquement, est-ce que ça veut dire qu'il est un personnage dans la norme ? Mais qu'est-ce que c'est que la norme ? Vous voyez ? Et là, vous êtes déjà en train de problématiser, et une fois que vous aurez fait le tour du sujet comme ça, une question qui résume tout ça va vous permettre de faire une problématique et de répondre de façon pertinente. Quelqu'un qui nous demande, bonjour, pour la dissertation, combien d'exemples faut-il ? Est-ce qu'il faut obligatoirement mettre des citations ? Et est-ce qu'il faut être précis par rapport à ces citations ?
Alors, on me demande pour la dissertation combien d'exemples faut-il mettre? Doivent-ils être forcément des citations précises? Alors, plus la citation est précise, mieux c'est. Maintenant, on ne va pas se raconter d'histoire. Vous n'êtes pas des enseignants, des profs de français, et je me doute que la plupart d'entre vous ne seront pas capables d'aller citer des œuvres de manière extrêmement précise. Cependant, le minimum requis, c'est l'auteur, le texte. Si on n'a pas, si une citation, par exemple, le roman expérimental Zola dans le roman expérimental en 1851, si j'ai bonne mémoire, voilà, s'il n'y a pas la date, ce ne sera pas catastrophique. Par contre, si vous dites que Zola disait que, ça suffira pas. Zola disait que ceci ou cela dans le roman expérimental. Voilà, ça c'est la précision de votre citation. Combien de citations dans une disserte? Si votre dissertation comporte deux grandes parties, composées chacune de deux sous-parties, un exemple dans chaque sous-partie, de préférence un exemple littéraire. Si vous n'avez pas d'exemple littéraire sous la main, cela peut arriver, vous avez le droit de vous réfugier dans des exemples cinématographiques. Alors, je précise que ces exemples cinématographiques ne doivent pas être des films type Fast and Furious, d'accord? C'est-à-dire, on est dans des classiques. Voilà. Vous appuyez vos raisonnements sur des classiques. Au pire du pire, vous avez le droit à des références historiques, mais on ne peut pas aller au-delà. S'il y a pas de, si vous n'avez pas de référence, ben moi je vous invite à très vite changer de sujet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, une bonne dissertation, ça appelle une solide culture littéraire. Et si on prend par exemple le cas d'une dissertation parfaite, idéale, avec trois grandes parties composées de trois sous-parties, ça signifie que vous seriez en possession de neuf références. Et ça me paraît compliqué. Je termine juste avec une chose concernant ces citations et ces exemples. Dans une dissertation, vous n'allez pas pouvoir vous servir deux fois de la même citation. Ça, c'est interdit. Pour le commentaire, est-ce qu'il y a une longueur conseillée au maximum, au minimum? Est-ce que longueur de copie, j'imagine? Bien sûr. Alors, on me demande quelle longueur de copie est conseillée pour le commentaire. Alors, je vais commencer par la réponse qu'on fait tous dans ces cas-là. D'abord, on ne note pas au poids. C'est-à-dire que vous m'excuserez d'être un petit peu, comment dirais-je, vulgaire, mais vous pouvez en mettre 3 kilos, ça ne fera pas une bonne note si jamais la copie n'est pas de qualité. Alors, inversement, si vous rendez un recto verso, ne vous attendez pas à une bonne note. Je pense qu'une copie équilibrée, c'est une feuille double au moins. En 4 heures en première, il me semble difficile, en tenant compte de la question de corpus et du brouillon, de faire plus de deux feuilles doubles, deux feuilles doubles et demie, sans tomber après dans un risque qui est de vous laisser entraîner par l'écriture et quelquefois de dire n'importe quoi. Moi, j'ajoute une chose, c'est que on a quelquefois tendance à imaginer que multiplier les synonymes, multiplier les phrases, allonger nos phrases va donner quelque chose de littéraire à la copie. Faux. Préférez des phrases simples, correctement construites et qui seront claires et agréables à lire. Pensez toujours que la lisibilité d'une copie, ça passe par du bon français, une orthographe correcte évidemment, et puis une écriture aussi soignée. Donc, c'est pas parce qu'une copie est longue qu'elle est bonne et inversement. Est-ce que les correcteurs ont plus tendance à être sévères avec les L ou pas spécialement? Oui. Très clairement, oui. Pour une raison toute simple. Il faut que je rappelle quand même qu'il existe pour les profs ce que l'on a, un texte officiel que l'on appelle le bulletin officiel. Entre nous, c'est le BO. Et dans ce BO, on nous explique que lorsque les élèves, toutes sections confondues, SES, L et STMG, arrivent au bac de français, ils sont considérés, je cite, comme des spécialistes dans la matière. Vous imaginez bien que les littéraires sont encore plus spécialistes. Alors, à titre personnel, je peux vous donner un exemple très concret.
Il est totalement impardonnable, et je sais que je ne le pardonne pas, comme mes collègues d'ailleurs, qu'un élève, par exemple, de littéraire se présente au bac sans savoir situer très correctement des auteurs comme Hugo, Zola, Balzac, Maupassant, Diderot, Molière, etc. Et malheureusement, ça arrive. Oui, on est plus exigeant avec les littéraires en français. Est-ce que tu as un sujet que tu recommanderais plus qu'un autre? Est-ce qu'il y en a qui sont plus valorisés lors des corrections? Et bon, voilà, déjà, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a un sujet que je recommanderais plus que les autres et qui serait plus valorisé, ouais, plus valorisé que les autres? Alors, il n'y a pas de sujet qui soit plus valorisé que les autres. Mais on a tendance à considérer qu'un élève qui prend le sujet d'invention joue parfois sur la facilité, ce qui n'est pas une norme, hein, mais de temps en temps, on retrouve ce défaut parce que beaucoup d'élèves pensent que le sujet d'invention, c'est la rédaction de troisième. Or, c'est faux. Cependant, un bon sujet d'invention, on le valorise, on met une bonne note. Après, il est certain que l'élève qui a le courage de prendre la dissertation, c'est un élève que l'on va avoir envie d'encourager, d'aider un petit peu plus, si on sent qu'il y a de la matière, qu'il y a de la qualité. Pour ma part, moi, le sujet que je recommande toujours, et c'est ce que je dis à mes élèves depuis que j'enseigne, c'est le commentaire. Choisissez le commentaire parce qu'il a un avantage, c'est que si vous suivez la méthode, vous ne risquez pas l'énorme hors-sujet que vous risquez toujours dans une disserte ou dans un sujet d'invention. Dans un sujet d'invention, j'ai un exemple très précis en tête. Une année, on avait demandé aux élèves d'écrire une lettre ouverte. Mais écrire une lettre ouverte, c'est pas un discours. Une lettre ouverte, c'est pas un discours. Beaucoup d'élèves ont pensé que c'était un discours. Je ne vous fais pas de dessin. Vous imaginez que les notes ont été en conséquence. Alors, t'as calmé tous les littéraires, hein, dans le chat. Aïe. Allez, les littéraires, revenez. Ah oui, est-ce que tu as des conseils pour s'entraîner pour le bac écrit, notamment pour le commentaire, mais des petits conseils d'entraînement là, jusque lundi, justement, des annales, des documentaires? Alors, pour s'entraîner à l'écrit pour le bac de français qui arrive, commencez déjà par vraiment travailler sur l'analyse stylistique. Vous avez tous conservé vos manuels, puisqu'on vous les reprendra qu'après les épreuves du bac. Donc, dans vos manuels, faites des exercices de méthodologie sur l'analyse. Comment traiter une comparaison, une métaphore, une anaphore, et comment les reconnaître déjà. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est écrivez des introductions de commentaires, c'est-à-dire trouvez-vous quelques phrases d'accroche, type. Trouvez-vous quelques phrases d'annonce de plan. Ça va déjà vous permettre d'avoir des structures d'écriture et de pensée, et vous gagnerez du temps au moment de la rédaction de votre devoir. Et puis, mon dernier conseil, eh bien, c'est de reprendre vos quatre objets d'étude et d'y réfléchir en nourrissant votre réflexion des auteurs et des œuvres que vous avez étudiées. Je m'explique. La poésie, écriture poétique et quête de sens du Moyen-Âge à nos jours, vous dit votre objet d'étude. Eh bien, posez-vous des questions sur l'écriture poétique. Pourquoi l'écriture poétique est-elle inédite? Qu'est-ce qui fait que l'écriture poétique aujourd'hui soit littéralement fuie par les élèves? Hein, très peu d'entre vous lisent naturellement de la poésie. Réfléchissez à toutes ces questions. Essayez déjà d'imaginer quels sont les sujets qu'on peut vous poser. Et positionnez-vous, vous, par rapport à ces objets d'études. C'est-à-dire, soyez prêt à avoir des opinions soutenues et argumentées sur le roman, la poésie, les genres argumentatifs, etc. Comment est-ce qu'on trouve un bon plan en commentaire, notamment ? Donc, encore une fois, comment trouver un bon plan en commentaire ? En commentaire, la clé, c'est un vrai travail honnête sur le texte. Alors, il y a une comparaison que j'avais prise en classe et que j'aime bien. Quand on regarde un match de boxe, un beau match, c'est un match dans lequel les deux adversaires vont l'un sur l'autre, vont au contact et se battent littéralement. Eh bien, réussir son commentaire, c'est aller se battre avec le texte. Ça a l'air très bête comme ça, mais beaucoup d'élèves survolent le texte parce qu'ils ne rentrent pas dans ces difficultés.
Eh bien, il vaudra mieux, par exemple, le jour du bac, montrer que vous avez repéré quelque chose dans le texte sans forcément parvenir à l'expliquer de manière extrêmement fine et précise. Mais ça vaut mieux que si vous passez dessus sans le signaler. Parce que là, ça veut dire soit que vous ne l'avez pas vu et c'est pas bon, soit que vous l'ignorez volontairement et c'est pas bon non plus. Alors du coup, pour bien faire votre plan, le tableau dont je parlais tout à l'heure, observation, analyse. J'observe quelque chose, je l'analyse. Et une fois que vous avez fait ça pendant une heure, vous verrez des parties qui vont commencer à se distinguer les unes des autres. N'hésitez pas à employer des couleurs différentes. Pour les genres, pour les registres, pour le vocabulaire, pour les figures de style, pour les valeurs des temps, pour les pronoms, etc. etc. Quelques questions qui reviennent sur le sujet d'invention. Est-ce que tu as des conseils pour faire un bon sujet d'invention ? Comment faire un bon sujet d'invention ? Alors, comment faire un bon sujet d'invention ? Le sujet d'invention, à mon sens, c'est le plus glissant. Alors, mon premier conseil est... ne vous fiez pas à l'apparente facilité d'un sujet d'invention. Deuxième chose, dans un sujet d'invention, on attend de vous que vous fassiez la preuve de réelles qualités littéraires. Alors, par exemple, on peut vous demander d'être un metteur en scène qui discute avec un comédien et qui lui donne des conseils pour bien jouer tel ou tel rôle dans une pièce de théâtre. Bon. Alors, comment bien rédiger ceci ? D'abord, assurez-vous que vous avez identifié quel genre et quel registre on vous demande de travailler, premièrement. Deuxièmement, essayez déjà de trouver deux ou trois arguments, deux ou trois idées phares et développez-les à l'écrit. Voyez si vous êtes en mesure de les faire grandir, ces idées. Et puis ensuite, commencez la rédaction. Alors, et c'est là que ça va être un peu compliqué. Il faut avoir une fibre littéraire. Voilà, pour le sujet d'invention, à l'époque de ma folle jeunesse, le sujet d'invention, ça ne s'appelait pas comme ça, c'était un sujet dans lequel on vous disait, à la manière de Victor Hugo, à la manière de Denis Diderot, vous allez écrire tel ou tel commentaire, tel ou tel texte. C'est-à-dire que c'est vraiment le sujet sur lequel on vous attend sur une vraie finesse littéraire. À la fin, voilà, mon conseil essentiel, c'est avant de vous lancer dans le sujet d'invention, vérifiez que vous pouvez faire autrement peut-être et choisissez le commentaire qui est vraiment le sujet plus sûr, plus safe. Voilà. Analyser un poème pour un commentaire, des petits conseils pour qu'est-ce qu'on doit analyser, comment est-ce qu'on analyse un poème ? Comment analyser un poème en commentaire littéraire ? Alors, le poème appelle d'abord certains questionnements. Quel type de poème ? Est-ce que c'est un sonnet, une ode, une ballade ? Ensuite, il faut l'inscrire, si c'est possible, dans un certain courant littéraire. Est-ce que c'est, par exemple, un poème qui vient de chez les poètes maudits ? Est-ce que c'est un poème romantique ? Est-ce qu'après, c'est un poème en registre lyrique, pathétique, etc. ? Voilà. Donc, la première chose, c'est une analyse genre, évidemment, c'est fait, c'est poétique, registre. Et puis ensuite, il va falloir entrer dans une analyse purement stylistique. À la différence du roman, par exemple, où on ne va pas se lancer que dans les figures de style. Dans le poème, vous allez commencer par faire ce travail-là. La stylistique est très importante. Et surtout, et c'est pour ça que je finis par ce point, parce que c'est le plus important, beaucoup d'élèves oublie qu'il faut obligatoirement consacrer une étude à la versification. Étudier un poème, par exemple un sonnet, sans se pencher sur les alexandrins ou les décasyllabes, si le sonnet est écrit en décasyllabes, la structure des rimes, rimes riches, pauvres, suffisantes, est-ce qu'il y a un respect de la structure AABB, AABB, etc. Bref, cette analyse de la versification, elle est absolument obligatoire dans un poème. Pourquoi ? Non pas pour simplement dire « Ah, ben là, on a un alexandrin, et puis là, les rimes, elles sont embrassées, et puis là, elles sont plates. » Tout simplement parce que la versification, elle ouvre à des raisonnements sur le sens du poème. C'est-à-dire que dans la poésie, il y a toujours une correspondance entre la forme que prend l'écrit et le fond, c'est-à-dire ce qu'il évoque. Toujours dans le sonnet, par exemple, vous savez très bien que dans l'huitain, c'est-à-dire les deux quatrains,
vous avez toujours l'exposé et dans le tercet, les deux tercets qui forment le 6-1 à la fin, vous avez la conclusion du poème qui arrive jusqu'à la pointe, le vers 14, la pointe ou la chute du sonnet. Si vous n'avez pas analysé cette structure, cette versification, ben vous passez littéralement à côté du sujet. Quelqu'un qui nous demande, moi je suis plutôt solide sur les figures de style, les mouvements littéraires et les registres. Est-ce que c'est suffisant pour m'assurer une note un peu correcte à l'écrit ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ça? Alors, être à l'aise sur les figures de style, les registres et les genres, suffit-il à vous assurer une bonne note? Non, enfin, je ne peux pas répondre à cette question comme ça. Ce qui est certain, c'est que c'est déjà la garantie de ne pas vous retrouver le bec dans l'eau le jour du bac, parce que ça veut dire que vous avez déjà un certain nombre de connaissances qui vont être plutôt solides. Après, moi, je vous invite aussi à travailler beaucoup sur les courants, et à travailler sur les auteurs, c'est-à-dire à avoir un minimum de connaissances sur les auteurs. Voilà. De toute façon, encore une fois, plus vous avez de connaissances et d'entraînement à l'épreuve, et plus vous réussirez cette épreuve. Alors, bon, on va sortir un peu de la méthode, on en a eu beaucoup. Est-ce qu'on peut parler un peu, alors c'est une question très large, est-ce qu'on peut parler un peu des mouvements, faire un rappel sur les mouvements littéraires? Alors, peut-on faire un rappel sur les mouvements littéraires? Non, mais je vais le faire quand même. En fait, je vais faire un rappel sur les mouvements littéraires qu'il vous faut impérativement connaître et savoir définir. Alors, on est au 19e siècle et puis début 20e. 19e siècle, un courant littéraire qui va traverser, c'est d'ailleurs même un courant intellectuel qui va traverser ce 19e siècle, c'est bien sûr le romantisme. Alors le romantisme, l'exaltation du moi, le je, l'homme au centre des préoccupations. Le romantisme, c'est aussi l'homme face à la nature et face à des angoisses métaphysiques, l'homme qui se retrouve seul face à lui-même. Voilà, alors le romantisme, c'est Victor Hugo bien sûr, c'est le lac de Lamartine, c'est-à-dire des thématiques lyriques souvent, la fuite du temps, l'amour, la mort, le désespoir, la solitude. L'homme romantique par excellence, c'est Napoléon en ce sens qu'il est un destin, qu'il est un destin unique, qu'il est l'homme qui va grandir, s'élever tout seul et puis qui va finalement retomber. Les auteurs romantiques à connaître, eh ben, Lamartine, Hugo, Stendhal, avec Le Rouge et le Noir, avec cependant chez Stendhal cette espèce de côté un peu rigolard, moqueur sur le romantique, mais malgré tout qu'on peut classer comme texte romantique. Deuxième grand courant du 19e siècle, c'est le réalisme. Alors le réalisme, on le date. J'aime pas dire ça parce que c'est pas le 1er janvier 1851 que le romantisme va naître. C'est une période, on est au milieu du 19e siècle, pardon, et c'est en 1851 avec Gustave Courbet qu'on a l'habitude de dater le début du romantisme avec une toile qui s'appelle « L'enterrement à Ornans ». Alors qu'est-ce que c'est que le réalisme? Ben, c'est une réaction au romantisme, entre autres, et c'est la volonté de montrer le monde tel qu'il est. Alors, je vais tout de suite commencer par préciser que c'est un échec parce que le réalisme ne peut pas être réaliste en ce sens que toute description d'un romancier réaliste, je pense à Émile Zola en particulier, suppose des choix, que ces choix supposent une personnalité et un certain regard sur le monde et que par définition, eh bien, ça veut dire qu'il y a derrière tout ça une personne, que cette personne est subjective et donc que le réalisme est impossible. Voilà. Cependant, lisez à tout prix des textes réalistes, les Rougon-Macquart, pour moi c'est une mine, c'est absolument magnifique, c'est une écriture très riche, même si on sait que le projet réaliste ne fonctionne pas. Dans le prolongement du réalisme, vous avez le naturalisme. Alors le naturalisme, c'est Émile Zola toujours, c'est le roman expérimental, c'est-à-dire, Zola va dire « il y a l'hérédité, il y a le milieu ». Je vais prendre mes personnages, considérer qu'ils sont sous l'influence de ces deux éléments et je vais voir comment mes personnages évoluent. Gervaise, dans l'Assommoir, va se retrouver dans un milieu où le Paris du 19e siècle, où elle va commencer à faire prospérer son petit commerce
Et puis finalement, l'accident de son mari qui se casse une jambe et va sombrer dans l'alcoolisme va l'amener vers sa déchéance. Le problème du projet naturaliste, c'est que Zola nous dit le romancier, c'est un expérimentateur scientifique, c'est-à-dire qu'il met en place une expérience et puis il voit ce qui se passe. Non, Zola, c'est lui qui écrit son roman et il pourrait bien faire de Gervaise ce qu'il veut. Donc s'il avait souhaité faire en sorte que Gervaise finisse bien, il aurait pu. Ce qui veut bien dire que le projet naturaliste est intéressant en ce sens qu'il interroge le roman, mais qu'il ne fonctionne pas non plus en ce sens que ça reste le romancier qui décide. Alors, autre grand courant du 19e siècle, on est en poésie cette fois, c'est symbolisme qui va donc être à cheval sur 19 et 20e. Alors, je pense en particulier à Baudelaire. Le symbolisme, c'est un courant qui va considérer que le monde ne montre pas tout et qu'il faut en chercher un sens caché. Baudelaire disait « Le monde est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles », c'est-à-dire « La nature est un temple ». Voilà. C'est-à-dire que le poète doit être, le poète symboliste doit être celui qui va découvrir le symbole, lever le voile. Voilà, c'était l'expression « lever le voile sur le réel ». Alors un autre courant, on est début 20e, première partie du 20e, milieu 20e, c'est le nouveau roman. Avec le nouveau roman, alors on est avec André Sarraute, on est avec Nathalie Sarraute et Rob Grillet, et on est dans une démarche où l'on va essayer de transformer le roman, c'est-à-dire de l'expurger, de supprimer le narrateur et l'intrigue romanesque. C'est-à-dire qu'on fait des essais. Ça marche, à mon sens, pas vraiment, en ce sens que le nouveau roman, certes, a l'avantage, a la force de questionner le genre romanesque, mais ne va pas apporter d'œuvre majeure. Je vous invite à jeter un coup d'œil, par exemple, à un texte emblématique du nouveau roman, qui sont les Gommes de Rob Grillet, et c'est un texte qui est particulièrement, à mon sens, encore une fois, opaque. Voilà, je pense que j'ai fait le tour rapidement des grands courants sur lesquels vous devez être au point. Est-on obligé de connaître la biographie de l'auteur pour l'intro du commentaire, ou est-ce qu'on peut juste écrire une phrase très brève sur ce dernier ? À quel point on doit connaître les auteurs ? Alors, à quel point devez-vous connaître les auteurs et êtes-vous obligé de les connaître vraiment et de faire une biographie complète dans l'introduction du commentaire ? Surtout pas. Alors, d'abord, souvenez-vous, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Donc, les introductions qui se délayent, qui s'allongent avec des élèves qui vous mettent des informations qui ne servent pas la réflexion, c'est à effacer. Victor Hugo, par exemple, vous devez savoir qu'il est le chef de file des romantiques, qu'il a couvert le 19e siècle, mais moi-même, je ne connais pas toutes les dates des auteurs par cœur. Je peux vous dire Victor Hugo, parce que voilà, je reconnais bien cette date, 1802-1885, mais si vous me demandez la date de mort de Zola, je ne serais pas capable de vous la donner. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif pour vous, c'est de situer une œuvre et un auteur dans un contexte et de faire servir votre contextualisation à votre réflexion, premièrement. Deuxièmement, vous pouvez vous contenter pour votre commentaire d'une petite phrase succincte, et c'est ce que je conseille souvent à mes élèves, faites-vous des toutes petites biographies d'auteur, c'est-à-dire Victor Hugo, chef de file des romantiques, 19e siècle, et vous mettez 4 ou 5 œuvres majeures, chez Hugo c'est facile, de cet auteur. Voilà. Monster FR qui nous demandait, en gros, la question est un peu large ici, mais est-ce que tu as des conseils pour se préparer à la dissertation ? Est-ce qu'on peut préparer des amorces, des exemples, des idées en avance ? Peut-on se préparer à la dissertation avec des amorces toutes prêtes ? Oui, mais en étant prudent. Alors, vous pouvez vous préparer des structures, vous pouvez vous préparer des phrases. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux commentaires, par exemple. Mais attention, ne cherchez pas à les coller à tout prix. Adaptez-les éventuellement. Alors,
Comment faire pour arriver avec finalement du matériel que vous pouvez utiliser dans la dissertation? Pour chaque objet d'étude, trouvez-vous trois ou quatre citations emblématiques. Trois ou quatre citations emblématiques sur la poésie, sur le roman, sur l'argumentation, etc., qui peuvent déjà, par exemple, vous faire soit un exemple, soit une phrase d'accroche. Voilà. Ensuite, ayez quelques grandes œuvres en tête, c'est-à-dire dans le domaine poétique. Je pense qu'il est un petit peu compliqué de se présenter au bac sans avoir un minimum sur Les Fleurs du Mal, par exemple, ou Les Châtiments de Hugo. Voilà, c'est-à-dire, ayez déjà des pré-réflexions, non pas des réflexions toutes prêtes, mais des pré-réflexions qui pourront vous permettre de vous orienter au moment de la disserte. Alors pourquoi je dis non pas des réflexions toutes prêtes? Parce que sinon, on est tenté de faire une chose, c'est de plaquer un truc, si vous me permettez l'expression, qu'on a réfléchi avant, mais qui ne va pas forcément avec le sujet. Voilà. Comment éviter le hors-sujet? On a parlé un peu plusieurs fois, mais est-ce que y a quelque chose à ajouter là-dessus? Alors, on me redemande comment éviter le hors-sujet, et du coup, ça me permet de revenir sur un élément que j'ai oublié. Et ça, c'est très intéressant. À chaque fois que vous terminez une sous-partie, que ce soit en dissert ou en commentaire, revenez à la question, revenez à la problématique et assurez-vous que vous êtes bien en train d'y répondre. Parce que dans votre copie, du grand 1 au grand 2 au grand 2 au grand 3, vous avez un déroulement logique. Si jamais à un moment vous avez l'impression que ce déroulement logique il est comme ça et que vous vous êtes en train de faire ceci ou cela, c'est le moment de vite corriger le tir, c'est-à-dire revenez à votre question. Est-ce que je réponds bien à ma question? Je suis toujours dans le thème? Oui, je peux continuer. Ça vous évitera le hors-sujet, parce que l'esprit a vite fait de divaguer, de battre la campagne. Et puis j'ajoute une chose. Quand vous cherchez les mots-clés de vos sujets, alors je pense particulièrement à la dissertation, n'hésitez pas sur les définitions à aller loin. Voyant, VOYANT, le voyant, celui qui voit, par opposition au non-voyant, chercher des antonymes. Ça peut être intéressant pour une définition, parce que ça peut vous permettre aussi de voir un petit peu le sens global du terme. Et puis, un voyant, ça peut être aussi quelqu'un qui voit l'avenir. Vous voyez qu'on est déjà dans deux définitions qui sont différentes entre voyant, celui qui voit, tout simplement, et voyant, celui qui voit plus loin. Vous avez deux dimensions différentes du terme. Donc, soyez toujours très précis sur l'aspect définitionnel de vos sujets. Pour le théâtre, qu'est-ce qu'on peut vraiment réviser en fait sur le théâtre, à part le vocabulaire? Alors, concernant le théâtre, que peut-on réviser? D'abord, relisez des œuvres. Le grand avantage du théâtre par rapport au roman, c'est que si je vous dis d'ici lundi de relire trois romans de Zola, je pense que beaucoup d'entre vous vont faire une déprime et je peux me mettre à leur place. En revanche, trois pièces de théâtre d'ici lundi, c'est parfaitement jouable. Don Juan et La Nuit de Valognes. Don Juan, Molière, La Nuit de Valognes, Éric Emmanuel Schmitt. Ça, c'est lu, c'est 2 heures pour l'un, 2 heures pour l'autre. Ça va très vite. Dans une journée, on peut relire. Donc, relisez des œuvres théâtrales. Voyez des œuvres théâtrales. Internet vous fournira tout ce dont vous avez besoin. Je pense en particulier à des Molières. Et puis, comment réviser le théâtre? Réfléchissez aux fonctions du théâtre. Qu'est-ce que c'est qu'un comédien? Qu'est-ce que c'est qu'un metteur en scène? Qu'est-ce que c'est qu'un dramaturge? Comédien, metteur en scène, dramaturge. Moi, j'aime bien dire à mes élèves et les laisser réfléchir à ça, un comédien, un bon comédien, c'est un bon menteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui a lu une pièce, qui en a une idée et qui va essayer de littéralement la mettre sur scène. Mais comment fait-il? Comment est-ce qu'on fait pour adapter Don Juan? Par exemple, si vous prenez le Don Juan de Mezguiche et si vous prenez le Don Juan de Bluval, vous avez deux Don Juan qui sont radicalement différents. Pourquoi? Et puis enfin, qu'est-ce que c'est qu'un dramaturge? Pensez à La vie de Molière, par exemple. Molière qui est un tragédien raté. La première pièce de Molière, c'est une tragédie, c'est lamentable, c'est très mauvais. Et on lui donne le conseil suivant dans son entourage. On lui dit: vous êtes drôle, écrivez plutôt des comédies. On a bien fait de le conseiller là-dessus, mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'un dramaturge, par exemple? Posez-vous cette question-là. Voilà. Dans le commentaire, est-ce qu'il faut faire
faire des transitions entre chacune de ces idées ou seulement entre les grandes parties? Alors, où faut-il placer les transitions dans le commentaire littéraire? Les transitions du commentaire vont à la fin de chaque grande partie. Fin du grand 1, fin du grand 2, et puis fin du grand 3, non, puisqu'on arrive à la conclusion. Donc c'est entre les grandes parties et non entre les sous-parties que l'on insère une transition. Okay. Inès qui nous demande, est-ce que les courants littéraires du 19e suffisent pour le bac ou est-ce qu'il faut aussi connaître d'autres courants comme l'humanisme? Bah, alors, je n'ai pas parlé de l'humanisme tout à l'heure, ça semble plutôt évident. Alors, on peut revenir dessus, hein, l'humanisme qui remet l'homme au centre des préoccupations intellectuelles. Mais oui, évidemment, ce courant-là doit être connu. Il y a un certain nombre de notions qui ne sont pas évitables. Alors, l'humanisme en fait partie. Au XVIIe siècle, si on vous demande ce que c'est qu'être cartésien, par exemple, le matérialisme, le jansénisme, les jésuites, voilà, ça, ce sont des notions qui ne sont pas forcément des courants littéraires, mais des notions sur lesquelles vous devez être au point. Alors, je veux bien qu'on en fasse le catalogue, par contre, ça va être très long. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir dans vos manuels, vous avez souvent des frises chronologiques. Alors, pour ceux qui ont Empreintes littéraires et le manuel Belin, vous avez dans ces deux manuels de très bonnes frises chronologiques qui vous permettent d'avoir les courants, dans les époques, les auteurs, les œuvres majeures, et de lier ça aux grands événements historiques. Voilà. Il est absolument impensable, par exemple, d'aborder Molière sans se souvenir que Molière, c'est tout de même un écrivain, un dramaturge, qui compose sous le règne, je vous laisse une seconde pour réfléchir, de Louis XIV. Est-ce qu'il y a vraiment quatre points en jeu pour l'aspect ça fait partie du barème Y a-t-il quatre points en jeu pour l'aspect de la copie? Absolument pas. Ça, c'est radicalement faux. C'est une légende urbaine. C'est-à-dire que vous avez 16 points et 4 points. 16 points pour le sujet, 4 points pour la question. Par contre, je vais être très clair avec vous, si la copie est illisible, mais vraiment illisible, il y a un moment, quand on n'arrive pas à lire, que voulez-vous qu'on note? Donc attention à ça. Inversement, moi je prends le problème à l'envers. On ne va pas forcément enlever des points à une copie qui est un peu sale, mal présentée, mais on ne va pas la valoriser. Alors qu'au contraire, une copie agréable à lire, bien présentée, aérée, c'est une copie qu'on a envie de lire et sur laquelle on passe un bon moment. Je pense qu'il faut aussi vous souvenir que derrière votre copie, il y aura un correcteur et que ce correcteur, dans certains cas, il va corriger en une semaine un peu plus de 150 copies. Réfléchissez ce que ça donne. S'il y a 150 copies très mal écrites, au bout d'un moment, voilà, on est moins enclin à donner des points aux copies qui ne sont pas joliment présentées. Complètement la bourre dans mes révisions, je passe mon bac lundi, j'ai pas fait grand chose de l'année. Qu'est-ce que je fais là à partir de ce soir jusque lundi pour sauver les meubles? Alors, la question, je suis complètement à la bourre, j'ai pas révisé assez et je passe mon bac lundi, qu'est-ce que je fais pour sauver les meubles? Je pense que la seule solution aujourd'hui pour être efficace, c'est d'aller aux fiches de synthèse que vous trouvez souvent, d'ailleurs pas souvent, que vous trouvez systématiquement dans vos manuels. Alors, en sélectionnant ces fiches de synthèse en fonction des objets d'étude, c'est-à-dire sur le roman, vous reprenez votre objet d'étude, le personnage de roman. Apprenez ce que c'est qu'un personnage de roman. Poésie, travaillez sur l'écriture poétique. Les genres argumentatifs, travaillez sur l'argumentation et les différentes formes qu'elle prend. Et texte théâtral et représentation théâtrale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe du texte à la représentation, c'est-à-dire comment un écrit devient une pièce vivante, un spectacle vivant. Je vous souhaite un bon travail. Je ne vous dis pas merde parce que ce serait mal poli, mais je le pense très fort. Bonne soirée à tous.